Le chef de la diplomatie américaine a atterri ce dimanche dans le sud-est de la Turquie. C'est de cette base aérienne qu'est acheminée une partie de l'aide humanitaire vers les zones sinistrées par le séisme il y a bientôt 2 semaines. Anthony Blinken est venu exprimer le soutien de Washington à son allié turc. Les États-Unis ont déjà déployé des équipes de secours et débloqué 85 millions de dollars pour l'aide humanitaire. Le tremblement de terre du 6 février dernier a coûté la vie à plus de 40 000 personnes en Turquie et au moins 5 000 en Syrie voisine. Ce dimanche, les autorités turques ont annoncé la fin des recherches, sauf dans les 2 provinces les plus touchées, estimant que les chances de retrouver des survivants étaient nulles. «